Camille, hein, je suis déjà très en retard. Hein. Alors, il y a tout ce qu'il faut dans le frigo pour son déjeuner, et pour vous, il y a le brugnon. Tu dis le brugnon? What the fuck? Anyway, OK? Alors, le 15, c'est pour le pompier, le 18, c'est pour le SAMU, et vous avez le numéro de son père et de la voisine. Anytime, OK? Gentil avec Charlotte hein, cet après-midi, tu vas pas aller faire les histoires là pour aller faire ta sieste, hein? Oh, n'hésitez pas à être ferme, hein, Charlotte. No, parfois c'est Little Princess, celle-là. Oh, et emmenez-la au parc cet après-midi, le préféré avec la piscine boule, ok? Charlotte, faites attention avec la poussette et la circulation. Non, aujourd'hui, on dirait que c'est devenu... Fucking game! T'as grillé le feu rouge? Madame. Pourquoi c'est toi qui me gardes aujourd'hui? Eh ben, c'est parce que ta maman avait à faire, là. Et que ta nourrice est en congé, Camille. En congé, c'est quoi? Eh ben, c'est quand tu pars en vacances pour te reposer du travail. Hein? Ah ben, moi, je suis en congé, alors. Mais non! Non, non, parce que toi, t'as pas de travail. Mais si! Je fais des dessins pour tout le monde! Tu peux dessiner, toi? Tu peux dessiner maman? Maman, c'est la plus belle du monde entier, comme ça, plus grand que l'univers, la galaxie! Et papa, il l'aime gros, comme ça, plus grand que le cosmocats de l'univers! Toi, t'es toute seule! T'as pas de barouche! Pourquoi t'as pas de marousse? Eh ben, c'est parce que j'en ai pas encore rencontré, hein? Ma chérie. C'est parce que t'es pas belle? Non, enfin, je sais pas. C'est parce que tu veux pas d'enfants? Tu les aimes pas? Mais non, pas du tout! Quel âge! Eh ben, j'ai un an. Oh. Ma chérie. Oh! Eh ben, tout va bien! Pas de rire, là! Eh ben, c'est normal! Toi aussi, t'en auras plus tard, ma chérie, tu verras. Maman a dit, c'est pas comment tu veux pour sortir de chez toi avec une culotte de cheval par an. Elle dit ça, maman? Elle dit, c'est quoi une lipo? Une lipo? Je sais pas. Pas d'idée, là, c'est comme ça. Oui, si! C'est la femelle de l'hippopotame. Ah bon? Oh, 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 oh.
La semaine prochaine, papa nous emmène, maman et moi, aux États-Unis. J'aurais le droit de faire tout ce que je veux. Parce que je suis une princesse. En fait, tu peux pas y aller, mais tu vas taper de mari. Non, c'est parce que j'ai pas l'argent, moi, Camille. Oh ben oui, c'est parce que t'es toute pauvre, puis c'est tout. Oh, Camille, t'as pas comme une envie de passer à autre chose, là? Est-ce que ton nez, il se pointe? Non. Non, mon nez ne produit aucun son, Camille. C'est parce qu'il est gros comme celui des clowns, hein? Et celui des clowns, il se pointe, alors? Oui, mais moi, je suis pas un clown, Camille. Oh, mais putain, t'es chiante, alors. On va lire une histoire, tu veux, hein? Non. Pourquoi? Oh, pas un mot! Tu veux pas qu'on lise Bernard le petit loir ou Annie la fourmi ou... Non, parce qu'on se débile, c'est pour le bobo. Mais je suis plein de bobo, hein. Un conte de fées alors, hein? Cendrillon? La Belle et la Bête? Peter Pan? Non, parce que tout ce qu'ils disent dedans, c'est pas la vérité! Parce que la seule princesse qui existe au monde, c'est moi! Oui? Qu'est-ce que tu veux faire alors? Hein? Faire du dessin? Non! Je veux que tu me fasses un cadeau! Non! Non, Camille! Et je t'achèterai rien, tiens! Et d'ailleurs, les vraies princesses, elles ont rien besoin de demander parce qu'on leur donne tout, tout de suite! Tu comprends? Oh, mais attention! T'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent! Oh! Et t'es une princesse qui parle super mal, hein, Camille! Hein? Oh, bah! Petite tête! Gros cul! Quand tu pètes, on ne voit plus! Tu me parles mal, Camille! Hey, si ça continue, tu vas aller faire ta sieste tout de suite sans jouer ni rien! Hein. Alors là, on va bien voir qui va rigoler en dernier! Hein. Je pense à avoir. T'as du bol! Allô? Oui! Ah, d'accord! Ah, ben. Super, ouais! Ben, merci beaucoup. D'accord. Au revoir. Camille! J'ai avec vous, États-Unis. T'es contente? Non. Je te propose un jeu, Camille. On va jouer à celle qui tient le plus longtemps la tête sous l'oreiller sans respirer.